Bonjour, aujourd'hui je vous propose de remplacer le gainage de votre bar à eau. Le mien était d'origine en cuir, mais voici ce que l'air salin et le soleil normand en ont fait. Diamètre de la partie à recouvrir 22 mm. Diamètre de la roue 92 cm. Diamètre de la garcette 3 mm. J'ai prévu environ 70 mètres de garcette. Je l'ai acheté sur internet à un prix tout à fait raisonnable. Dans cette vidéo, je ne vous montre que le recouvrement d'un sixième de la barre. Il suffit de faire une boucle de la longueur de ce que vous voulez recouvrir. Pour ne pas tout emmêler, je vais scotcher cette boucle sous la barre. Je laisse dépasser de 2 ou 3 cm cette boucle, je scotche tous les 10 cm environ. À l'autre bout de la boucle, je laisserai dépasser 10 à 15 cm de garcette. Ensuite, j'enroule la garcette autour de la barre et de ma boucle, en serrant les spires entre elles. Retirez les morceaux de scotch au fur et à mesure. Serrez toujours régulièrement les spires entre elles. Allez, courage, on y est presque. Une fois arrivé au bout, vous couperez la garcette en conservant 5 à 10 cm de manière à pouvoir la glisser dans la boucle. Je reviens au début de mon travail et vais enrouler les 10 ou 15 cm que j'avais laissés auparavant autour d'un tournevis, par exemple, pour avoir plus de force quand je vais tirer. Ainsi, je vais faire coulisser la boucle et retenir prisonnier le bout de la garcette. Il me suffira ensuite de brûler les deux extrémités afin de les souder. Voici le résultat.